première nation africaine au classement FIFA, est annoncée parmi les grandissimes favoris de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal est pourtant l'un des grands paradoxes de cette compétition chez les ténors. En effet, les Lions de la Teranga ne comptent aucune CAN remportée et présentent toujours un palmarès vierge, toutes catégories confondues. Demi-finaliste de l'édition 1990, le Sénégal a connu la plus belle période de son histoire footballistique en 2002 avec une finale perdue au tir au but à Bamako face aux Lions indomptables du Cameroun. Lors de l'été 2002, la belle épopée se poursuit. En match d'ouverture du mondial, le Sénégal crée la sensation en s'imposant 1-0 devant la France, championne du monde en titre grâce à un but signé par Bouba Diop. Par la suite, les Lions de la Teranga s'étaient hissés jusqu'en quart de finale avant de tomber les armes à la main devant la Turquie d'Ilan Mansis en prolongation 1-0. Quatrième de la CAN 2006 en Égypte, le Sénégal a par la suite connu une véritable descente aux enfers, marquée par une élimination dès le premier tour en 2008 au Ghana, une non-qualification à la CAN 2010 en Angola et des sorties précoces en phase de poule lors des éditions 2012 et 2015. Sous l'ère Aliou Cissé, ancien capitaine de la génération de 2002, l'équipe nationale a connu une progression constante ces quatre dernières années. Véritable rouleau compresseur lors des phases de poule de la CAN 2017, le Sénégal avait fini de séduire l'Afrique tout entière, mais a connu une nouvelle désillusion au tir au but en quart de finale face au futur vainqueur du tournoi, le Cameroun. Qualifié au Mondial 2018 après 16 ans d'absence, les hommes d'Aliou Cissé avaient réalisé un excellent début avec un succès lors de la première journée face à la Pologne de Robert Lewandowski. Tenu en échec 2-2 lors de leur deuxième sortie par le Japon, le Sénégal s'était incliné pour son dernier match face à la Colombie 1-0. À égalité parfaite avec le Japon au nombre de buts et au goal average, le Sénégal a été éliminé au nombre de cartons jaunes. 23e au classement FIFA et premier en Afrique, les hommes d'Aliou Cissé joueront leur 15e CAN en Égypte. Le joueur le plus capé de l'histoire de la sélection sénégalaise se nomme Henri Camara avec 99 sélections. Du haut de ses 29 buts, il est également le meilleur buteur de l'histoire des Lions de la Teranga. Logé dans une poule A des éliminatoires composée du Madagascar, du Soudan et de la Guinée équatoriale, le Sénégal a passé une campagne de qualification relativement tranquille. Avec 5 victoires et un seul match nul, les Lions de la Teranga ont survolé ce groupe. Facile vainqueur de la Guinée équatoriale 3-0 à Dakar en juin 2017, ils ont été tenus en échec par le Madagascar 2-2 pour leur deuxième sortie. En octobre 2018, ils écrasent le Soudan 3-0 à Dakar avant de les battre à nouveau 1-0 à Khartoum, validant par la même occasion leur ticket qualificatif pour la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour ces deux dernières sorties, le Sénégal termine en beauté en s'imposant 1-0 à Bata contre des Équato-Guinéens déjà éliminés. Et le 23 mars 2019, il se débarrasse en toute maîtrise de Madagascar 2-0 à Thiès. Durant ces éliminatoires, le Sénégal a planté 12 buts et en a encaissé que 2. Le meilleur buteur sénégalais dans ses qualifications, c'est Mbaïna du Stade Rennais qui compte 3 buts à son actif, suivi d'Idrissa Ganegué d'Everton, buteur à 2 reprises. Le Sénégal dispose aujourd'hui de l'une des plus belles générations de son histoire avec des joueurs de classe mondiale qu'on ne présente plus sur la scène internationale. Sa star, son maître à jouer, reste incontestablement Sadio Mané de Liverpool. Malgré un rendement souvent critiqué en équipe nationale, il reste un élément incontournable du dispositif des Lions de la Teranga. Vice-capitaine du Sénégal, il compte 60 sélections pour 16 buts et participera à sa 3e CAN en Égypte. Auteur d'une très belle saison avec les Reds de Liverpool, il a déjà planté 24 buts toutes compétitions confondues. Deuxième meilleur buteur de la Premier League derrière son compère l'Égyptien Mohamed Salah, il s'est imposé depuis 3 saisons comme une star à part entière adulée par les supporters de Liverpool et indéboulonnable dans le 11 de départ de Jurgen Klopp. Au milieu de terrain, le Sénégal peut compter sur l'excellent Idrissa Ganegué d'Everton, considéré comme l'un des meilleurs milieux récupérateurs de Premier League. Impressionnant de par son énorme volume de jeu et son abattage au milieu de terrain, il est dans le viseur de plusieurs géants du football européen, à l'image de Manchester United ou encore du Paris Saint-Germain qu'il a failli rejoindre cet hiver. En défense centrale, on retrouve l'excellent Kalidou Koulibaly du Napoli qu'on ne présente plus. Il est tout simplement l'un des meilleurs défenseurs centraux d'Europe. Auteur d'une saison époustouflante avec le Napoli, Manchester United et le Paris Saint-Germain sont à la lutte
pour s'attacher ses services pour le prochain mercato d'été. En dehors de ces trois joueurs cités, Aliou Cissé peut aussi compter sur d'autres joueurs de très grande qualité, à l'image de Mbaïna du Stade Rennais, Cheikhou Kouyaté de Crystal Palace, Keita Baldé de l'Inter de Milan, Pape Alioune Ndiaye et Mbaye Diagne de Galatasaray, actuel meilleur buteur du championnat turc, sans oublier le roc du Schalke 04 Salif Sané, souvent associé à Kalidou Koulibaly en défense centrale. Édouard Mendy du Stade de Reims, considéré comme l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1, sera aussi un atout de taille en défense. À l'ombre des joueurs cadres, Aliou Cissé dissimule aussi quelques pépites dans son effectif. Grande révélation de la Coupe du Monde 2018 en Russie, Moussa Wagé est à 19 ans un jeune latéral droit très prometteur et très offensif. Doté d'une très belle pointe de vitesse et d'une bonne qualité de passe, Crépin Diatta de Bruges pourrait lui aussi être l'une des plus belles découvertes de cette CAN 2019. Enfin, Ismaïla Sarr sera sans doute la grande attraction chez les jeunes pépites. Auteur de la saison la plus aboutie de sa carrière, avec à la clé une victoire en Coupe de France avec Rennes, il a marqué 10 buts et délivré 10 passes décisives. Il est pisté par de grands clubs comme Arsenal ou le Borussia Dortmund. Le Sénégal compte sur ce groupe à la fois jeune, expérimenté et talentueux pour vaincre le signe indien et décrocher ce premier sacre continental tant attendu par le peuple sénégalais.